Vieillard, mon voisin dans la chambre double où l'on m'a mis tout d'abord après la première nuit passée au transit, dont la seule vue, d'emblée, a été pour moi un choc, éprouvant immédiatement à son égard une insurmontable répulsion. Non que ce malheureux fût malpropre ou d'un aspect dégoûtant, mais peut-être paradoxalement, parce que sa personne semblait incarner jusqu'à la caricature une résistance, pour ainsi dire, obscène à ce pourquoi nous nous trouvions tous les deux là. Comme s'il m'était donné de voir et de cohabiter avec une sorte de double ricanant de moi-même, c'est-à-dire ce misérable acharnement qu'il mettait non seulement à vivre, mais à nier une déchéance qu'il incarnait jusqu'à un insupportable degré d'indécence, passant et repassant sans cesse ce petit peigne dans la longue chevelure argentine qui semblait elle-même d'une beauté et d'une élégance, jurant avec le visage fripé et déchu de polichinelle sur le crâne duquel elle brillait comme un accessoire postiche, comme cette perruque aux ondulations figées, que non par coquetterie bien sûr, mais par un souci de décence, et sans doute pour m'épargner une vision trop effrayante. Maman, je le sus plus tard, s'obstinait à porter, du moins jusqu'au jour où je l'ai vue pour la dernière fois, encadrant un semblable et tragique visage au bec de rapace, comme si j'étais condamné à ne voir de la mort, du moins celle que l'on appelle naturelle, ou de son approche, que cet aspect à la fois guignolesque et macabre de marionnette. Me rappelant ce prisonnier que les Allemands avaient promené dans tout le camp, tenu en laisse comme un chien par deux autres marchant sur ordre lentement et portant sur la poitrine, suspendu au cou par un fil de fer, une lourde brique ou un moellon sur laquelle était écrit « J'ai volé le pain de mes camarades » et qui, à force d'injures, de crachats et parfois de coups, avait aussi, lorsqu'il traversa notre baraque, l'aspect décharné, décomposé et terrifiant d'un vieillard au seuil de la mort. Vieil homme, donc, pour ainsi dire goyesque, dont l'acharnée coquetterie ne se bornait pas à l'entretien de sa chevelure, mais tenait aussi à son habillement, ce pyjama en velours frappé d'un rouge théâtral sur lequel, avec l'aide de l'infirmière, il endossait l'élégante robe de chambre bleu marine avant de se traîner à pas lents jusqu'au cabinet de toilette commun, où je trouvais ensuite avec dégoût, quoique, ou peut-être parce que, soigneusement rangés, peignes, brosses à dents et à ongles, gluantes savonnettes roses et deux de ces serviettes éponges qu'on trouve en vente sur les marchés, en plein air, décoré de fruits, de feuilles et de fleurs dans une fade symphonie d'orangers, de vert et d'une couleur qui n'était pas le rose, mais comme un vieillissement, une sorte de sénilité du rouge. Mais ce qui impressionnait plus que tout, plus que le dégoût de son savon, de son peigne, de sa brosse à dents et des évanescentes couleurs moisies de ses serviettes restées comme imprégnées de leur contact avec ce corps que la vieillesse, l'usure, avait pour ainsi dire non pas tellement amaigri que rendu impropre à vivre. C'était la manière dont se manifestait cette obstination à prétendre contre toute raison, et aurait-on pu dire contre toute décence, à la durée.
économisant ses gestes et ses mouvements d'une façon qui avait quelque chose de terrifiant. Tout geste, tout mouvement semblable comme leur caricature. Non qu'il trébuchât ou manquât de tomber ou calculât mal ses gestes. Tout au contraire, ceux-ci participaient d'une attentive économie, pour ne pas dire avarice, de ses forces. Mais il les conduisait, il n'y a pas d'autre mot, avec une lenteur telle que ses déplacements, ses moindres actions, en prenaient quelque chose d'hallucinant. Et non pas encore comme on peut le voir dans un film passé au ralenti, où les chutes elles-mêmes, les coups, chevaux, boxeurs, jockeys, footballeurs, ont une sorte de grâce aérienne, rebondissante et tellement irréelle que le spectateur est tout de suite averti qu'il s'agit d'une décélération. De mouvements normaux apparaissant, pour ainsi dire, en apaisanteur. Mais, au contraire, d'une lourde lenteur. C'est-à-dire où les lois de la pesanteur ne perdaient jamais leur pouvoir, mais dont il ne résultait aucun trébuchement, aucun tremblement, ni aucune maladresse. Le moindre mouvement conduit et contrôlé, pour ainsi dire, dès son départ jusqu'à la fin, avec une précaution minutieuse qui le faisait successivement rejeter les draps, s'asseoir sur son lit, glisser peu à peu à terre, chausser ses pantoufles, endosser sur le hideux pyjama de velours rouge la robe de chambre dont il serrait la ceinture avec une multitude de précautions où se concentrait toute sa volonté, toute son attention et toutes ses forces soigneusement mesurées, conduites avec précaution dans leur moindre phase, comme si non pas quelque chose de vivant, mais de mécanique. Une mécanique d'extrême précision les commandait. Sans toutefois ces brusques saccades qui secouent les membres des automates. Chaque mouvement de son corps s'enchaînant avec quelque chose qui était comme le contraire de la grâce et qui rendait ce spectacle plus hallucinant encore. Comme si depuis mon entrée au département des urgences, mais encore une fois, était sous l'effet de la fièvre, se déroulait devant moi une suite d'événements ou de manifestations bizarres de la vie ou d'une sorte de monde enchanté, secret, tout à coup révélé. Depuis le burlesque ivrogne jusqu'à cette espèce d'activité, pour ainsi dire, démultipliée du vieillard, en passant par l'énigmatique tête coupée aux cheveux blonds, aussi immobile qu'une tête de cire au milieu de son as de carreau. Maintenant, d'une aiguille enfoncée dans l'un de mes poignets et maintenue par un rectangle d'albuplaste, s'élevait un tuyau relié à une sorte de vessie faite d'une matière blanchâtre qui se froissait peu à peu, suspendue à une potence munie d'une couronne de crochets au sommet d'une longue tige chromée. Et si j'avais toujours les deux tubes d'oxygène enfoncés dans mes narines, j'étais débarrassé de ce bracelet pour mesurer la tension qui se resserrait et se desserrait automatiquement à intervalles fixes la première nuit. Mais tout continuait à m'apparaître dans cette avare et terne lumière grise comme une sorte de camailleux. Sauf le vieillard dans son éblouissant pyjama qui se mouvait avec sa prudente, précise et minutieuse lenteur. Et à un moment, quoique depuis que l'on m'avait installé dans cette chambre, nous avions tous deux, comme par un accord tacite, sur l'inutilité ou la futilité, de toute parole, gardez le silence. Il marmonna à mon intention avec une sorte de sourire désabusé, quelque chose d'inintelligible, mais qui se voulait sans doute aimable, tandis qu'il appuyait quelque part sur un interrupteur allumant l'écran d'un poste de télévision disposé assez haut en face des deux lits, et où apparurent sur un fond vert pâle de petits bonshommes courant après un ballon. Mais sans doute ai-je eu un geste ou fait quelque chose comme une grimace, car il l'éteignit tout aussitôt, avec lui aussi un geste et une mimique d'ennui, et toujours avec cette même fascinante économie de mouvement,
s'asseyant sur le bord de son lit, sortant d'une poche de poitrine le petit peigne, le passant à plusieurs reprises dans la chevelure d'argent, puis le rempochant, laissant aller son buste sur le côté, dégageant une manche de la robe de chambre, puis l'autre la faisant glisser sous ses fesses, puis pivotant sur elle, puis glissant ses jambes sous le drap, et à la fin, son visage de polichinelle toujours aussi impassible. Les yeux grands ouverts en direction du plafond, s'immobilisant.